Allez, ça tout le monde, c'est Azorik Piracia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 92, les amis de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors. Et oui, cela faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé pour Hyrule Warriors, la version Wii U, les amis. Cela, en plus, étant dit qu'au cas où ça revient, en tout cas l'espace d'une semaine, parce que les amis, cette semaine-là, concerne le Planigatem, donc Dynasty Warriors, ce let's play est du coup visé, hein, comme c'est prévu. Et donc du coup, cela veut dire que vous aurez du lundi au dimanche, un épisode par jour, excepté dimanche, vous allez en avoir deux. Donc voilà, donc ça va faire plaisir de revenir un petit peu pour ce Warriors. Cela fait longtemps de mon côté, donc on verra si tout se passe bien, mais normalement je pense que tout devrait bien se passer. Alors cela vraiment fait un moment, on va se calmer sur les sabres, hein. Troisième. Vous avez réussi un cadeau amiibo, 5000 rubis. Et vous avez réussi un cadeau amiibo, 50000 rubis. Pourquoi pas après tout, hein. Pourquoi pas après tout. Et non, pas toi. Pas toi. Le dernier. Ok, quelle est la probabilité qu'on obtienne trois fois la même arbre. Bon. Bon, bref, c'est bizarre. Alors du coup, les amis, on va pouvoir du coup s'attaquer à la suite, parce que ce niveau de l'épisode précédent, on avait continué notre mode aventure dans la carte à explorer. J'allais dire dans la carte Master Quest, mais non, on n'y est pas. Enfin, en tout cas, pas pour le moment. Mais c'est vrai qu'on y est dans la version Definitive Edition, donc du coup, c'est un peu troublant. Il me semble que dans l'épisode précédent, on avait terminé du coup cette case, vu que c'était le... Enfin, vu que le personnage s'est mis normalement à la toute dernière case où on s'était arrêté. Donc il me semble que c'était cette case-là, hein. Si je dis pas de conneries. Donc les amis, aujourd'hui on va pouvoir s'attaquer à une nouvelle case. Et je vous avais dit qu'on irait ici. Donc voilà. Et on va directement commencer. Ça permettra également d'avoir de potentielles armes dans le futur. Donc les amis, c'est parti. On peut voir qu'il y a un victor de rang A, un réceptacle de cœur avec Lana. Donc c'est un quiz sur les armes. Donc on commence doucement la semaine avec du coup un fameux quiz sur les armes. Et on est obligé d'utiliser Lana. Mais du coup voilà, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur ce let's play. Ah oui, c'est vrai qu'elle était niveau 34. Et oui, maintenant nous avons notre Lana niveau 80 et quelques déjà avec dans la version Definitive Edition. Ah oui, donc j'avais vraiment oublié ce léger problème. Mais bon, tant pis, hein, de toute façon on assume. On va tenter d'utiliser un grimoire. 150, grimoire du saut, non, 165, elle n'a pas 3 étoiles. Si, 195, bah voilà. 195, bon par contre on n'a pas beaucoup d'armes, mais 195. Ouais, écoutez les amis, c'est parti. Mais donc du coup oui, voilà, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur ce let's play Hyrule Warriors, hein, le premier du nom. On l'avait mis un petit peu en pause temporairement, on l'avait mis un petit peu en pause. Et là on revient un petit peu en force. Alors je sais pas si les semaines qui arrivent il y aura encore des épisodes de ce let's play tout de suite. Il y en aura certainement, mais pas maintenant, peut-être, on sait pas, tout dépendra de mon envie. En tout cas, voilà, ça me permettra de revenir, en tout cas, pour ce let's play, et cela faisait tellement longtemps. Ah oui, c'est vrai, également, j'allais dire, mais attendez, mais on n'a pas beaucoup de cœurs, c'est pas... Mais non, en fait, c'est vrai que c'est... Il y a 3 barres, et 3 barres de 15 cœurs. Normalement, c'est 15 et non 20 dans la Definitive Edition. Nous avons au total 60 réceptacles de cœurs par personnage. Donc on a déjà plein de persos avec pratiquement la deuxième barre de cœur entièrement remplie. En revanche, pour dans ce jeu-là, il y a un maximum de 15 réceptacles de cœur par barre. Et il y a 3 barres, donc cela fait 45 réceptacles de cœur par perso. Donc du coup, oui, j'avais oublié ce léger détail, mais bon. Alors du coup, ah oui, ouh là là, ouh putain, j'avais oublié ces contrôles. Oui, ça faisait quand même 4 ou 5 mois qu'on n'avait pas fait d'épisode sur ce let's play, ça se remarque. Hein. Peut-être premier problème. Alors avec les quiz avec les armes, ok, qui lance les... Ok, lance des lames, Boblin. Attendez, qui lance des lames? Mais toi aussi tu lances une lame, non? Le Dark Knight. Bah oui, tu lances une lame, toi. Il dit une lame. Il détient une lame et non une lance, donc c'est le Dark Knight. Ouais, j'allais me faire baiser, en fait. Oh là! Voilà, on élimine le bon ennemi. Ouais, on allait se faire baiser. C'est une lame et non une lance, hein. Il faut pas confondre. Même si ça peut porter à confusion, mais il faut pas confondre. Ok, donc, fort suivant. Ça fait tellement bizarre de rejouer à ce Hyrule Warriors. J'ai plus l'habitude, hein.
J'ai zéro l'habitude. L'adversaire qui a une hache. Maintenant, notre Salfos. What the fuck? On a éliminé le bon ennemi. Bon. Alors, c'est vrai qu'il faut pas confondre les boutons. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps, les amis. Je sens que la reprise va être un peu compliquée cette semaine. Mais bon, non. Là, ça nous remet un peu dans le truc, dans le bain. J'adore cette musique. Elle est tellement bandante. J'ai juré, hein, c'est jouissant de l'entendre. Il lance des javelots. C'est le Moblin. Non, le Moblin, j'ai dit. Allô. Merci. Hey, non. Ah, voilà. Hey, vous savez quoi? On va le terminer avec ça parce qu'on en a pour un milliard d'années sinon. Et boum! Et ben voilà! Bon, une arme encore, évidemment, comme d'habitude. Bon, ben on a réussi. Bon, ça aurait été tranquille. Ça aurait été une case facile. Il y a juste la reprise, en fait. Il faut. C'est vrai que. Ah, c'est vrai que dans cette version, la EA est beaucoup plus compliquée que dans la version Definitive Edition. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention de ne pas se faire baiser dans cette version. Et logiquement, notre réceptacle de cœur. Vous avez obtenu un réceptacle de cœur, votre individu est augmenté d'un cœur. Ah oui, c'est vrai que le paragraphe est bien centré, tout est propre. Dans la Definitive Edition, honnêtement, dites-vous que... Je vous le dis, hein, j'en ai parlé d'ailleurs à Koei Tecmo Europe. Ils ont dit, bon, ils ont fait passer le message, mais bon, eux, ils s'en foutent un peu. Le jeu est sorti maintenant, ils veulent plus se préoccuper de ce jeu, donc. J'ai dit, pourtant, je suis pour, hein, mettre le cadrage, ça prend 5 minutes, 20, 10 minutes, je suis. Voilà, je suis là, je le fais gratuit, en plus, le truc, hein, je vous demande même pas de me payer ni rien. Mais non, ma foi, ils veulent pas. Hey! Hey, thank you. Avec un grimoire de l'esprit, on s'en fout. Et un marteau en bois. Alors oui, vous pouvez pas transporter beaucoup d'armes. De toute façon, écoutez, avec les armes que nous avons là actuellement, ce n'est pas foufou. Donc, on avait un truc à étoile plus. Ça, on enlève. On enlève. On enlève. On enlève. Voilà. Des 8000 rubis. Avec un carpe de maître Salfos. On va aller dans la badgerie quand même, tout simplement pour aller mettre ce fameux carpe de maître Salfos. Et la suite, vous avez obtenu une carte d'objet. Vous pouvez maintenant voir Lana dans la galerie des personnages. Tant mieux. Alors, Lana, alors du coup, cela veut dire... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec la carpe de maître Salfos? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je n'ai pas l'impression... Non, ici est-ce qu'on peut faire quelques petites bricoles? Je n'ai... Ah si, quand même, avec Link Cartoon, l'arbre de Gap 1 augmente un peu l'efficacité des objets de régénération. C'est alors avec une carte de maître Salfos sur une assassin rubis, l'arbre de Gap 1 va être créé. Voulez-vous continuer? Bien sûr. Le badge de l'arbre de Gap 1 a été créé. Après, on peut plus rien faire, mon avis. On n'a pas... Non. Je crois qu'on avait vérifié ça dans l'épisode précédent, mais... Bon, on peut plus rien faire. Bon, bah écoutez... Du coup, dans l'épisode prochain, les amis, on ira tout simplement s'attaquer à un leak. On s'en bat les couilles, un leak réseau est apparu. On ira tout simplement sur cette case, à mon avis. Alors, dites-moi qu'on peut directement. Oh, pour bien s'en occuper, il faudra juste brûler le truc en question et tout. Donc, vous savez quoi? On ira chercher notre arme de niveau 2 avec Lana. Voilà, donc ça permettra d'avoir une nouvelle case, enfin, une nouvelle arme supplémentaire. Dans lequel, en plus, il y a une scutula d'or et un réceptacle de cœur. Dans lequel, en plus, ça va nous débloquer l'accès. Un nouvel environnement, on va dire, de la carte aventure. Donc on pourra un petit peu consulter ça directement. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 92. Et du coup, ben, on se retrouve demain, les amis, pour l'épisode 93 de notre aventure 100% sur Hyrule Warriors. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.